low. Don't worry, my eyes are closed. I'm the Superman and it's my show. One shoe, two, gonna kick with my new shoes. I'm gonna kick until I need new shoes. Have those hipsters, I'm gonna dance. I said it's don't stop, don't stop, don't stop talking to me. Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Ark et aujourd'hui je suis sur The Center. Alors oui, c'est une map où j'ai dit que je n'aimais pas, etc., etc. Mais là je me suis motivé, je me suis mis en god mode, en stat infini. Et j'ai pris, je force tame ce Quetzal et puis cet aigle qui traînait. Et je me suis décidé à faire un petit peu le tour de la carte pour voir un petit peu, la map tout simplement, et c'est vrai que j'ai fait un petit tour et je dois vous avouer que là je suis tombé sur une petite île, excusez-moi, qui me plaît pas trop mal là, l'île du crâne là-bas. Il y a beaucoup de, comment ça s'appelle, il y a beaucoup de métal, donc du coup je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée. J'ai mis des modes que je ne sais absolument pas comment ça fonctionne. On va essayer des Zemgram, les S Fondation, là, comme vous pouvez constater. Donc, du coup, ça va être vraiment une découverte. Hein. J'ai pris pas mal de trucs S. Hein. Ça, c'est pareil. S Raffining Forge. Normalement, il y a celui-là. Non, ça, c'est Mortier Pilon. Pourtant, je l'ai pris. Je l'ai pas pris. Attends, on va aller voir. Je vais vous montrer un peu les modes. Voilà, ça commence à partir de là. Crafting Station. Hop, on va prendre ça aussi. Donc ça, c'est les modes S. Et apparemment, ce qu'ils ont de bien, ces modes-là, c'est qu'ils n'ont pas de collision. En fait, c'est les mêmes trucs d'origine. Mais ils n'ont pas de collision, rien du tout. Donc, ben, écoutez, je vais essayer. Parce que j'ai envie de construire en aérien, en fait, sur cette île. Donc, on va tester, tout simplement. On verra déjà ce que ça donne. Ah ouais, il ne m'a pas pris. Voilà, là, il m'a pris. Ok, bon, voilà l'île. Vous restez là, vous, hein. Ouais. Voilà la petite île. Ah ouais, il y a moyen de faire un petit truc sympa, là, en fait. Je sais pas encore trop comment qu'on va faire. Mais on va bien se démerder. Ok. On va prendre encore un peu de bois. Hop. On va déjà voir comment on va faire. Donc, je sais pas si je vais à proprement parler faire une série sur The Center. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que je vais déjà faire cette vidéo avec vous. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc les stats serveurs, comme vous pouvez voir, hein, je me suis vraiment mis en quasiment origine. Parce que vous voyez, hein, je drop pas beaucoup de choses, hein, quand je ramasse. Hein. Je crois que le ramassage, je suis à 2, je crois. Donc c'est rarement pas grand chose à 2. Hein. Hop. Alors, comment que ça fonctionne? Alors attends, on va déjà se faire... déjà, attends, faut que j'aille analyser un truc. Faut que je prenne l'aigle, vite fait. Faut que j'aille analyser un petit truc. Hop. Toi, je vais t'augmenter un peu ta vitesse. Voilà. Si je monte, j'aimerais bien qu'on soit sur le rocher. Parce que je regarde aussi beaucoup les lives de Master Snaku. Ah là, là, ouais, ça pourrait être bien. Les lives de Master Snaku. Et c'est vrai que j'avoue que eux, ils ont fait une construction comme ça, aérienne en fait. Et je trouve que c'est vachement sympa le concept. Tu vois, c'est vachement cool. Donc, est-ce que je commence par construire par le haut? Ouais, mais là, j'ai trop peur de me péter la gueule si je commence là. Tu vas me dire. J'ai failli me faire une frayeur là. Est-ce qu'il descend de quel côté cet idiot, vers la droite hein? Voilà. Tu vas me dire, on peut essayer. Alors attends, parce que j'ai aucune idée. Donc S Wood Fondation. On va une fois fabriquer deux. Je vais une fois voir un peu comment ça se passe ces modes. Parce que c'est vrai, comme je vous ai dit, j'en ai aucune idée. Ah ouais! Ah ouais, clairement, tu peux les poser, genre là. Oh, mais c'est stylé, ça. Oh, c'est grave stylé. Alors, attends, on va regarder. Alors, attends. Ah, le con. Ah, ça, c'est bien, ça. On peut ramasser les fondations. Ah, oh.
Oh putain, j'ai chaud. Ça, c'est stylé, c'est-à-dire qu'on peut ramasser les fondations. Ah, mais ça, c'est vraiment bien. Ok. Alors, attendez voir. Normalement, je dispose de mode bien plus bas. Est-ce que je les ai activés, ces imbéciles? Je sais maintenant plus. Merde, non. Non, je les ai pas mis. Fais chier. Je les ai pas mis parce qu'en fait c'est des modes, c'est des piliers. Après tu vas me dire si je fais des piliers comme ça peut peut-être aller. C'est des piliers en fait qui me... Attends, peut-être que je les ai plus bas, on va regarder. Ah c'est ça non? SXL Stone Wall. 12 Normal Wall. Je sais pas ce que c'est ça. Ah, c'est des piliers en fait. Ouais, d'accord. Alors, attends. Les S piliers. Non, les comme ça, je m'en branle. Moi, ce que je veux, ce serait les piliers en pierre. Où qu'ils sont? Bah, logiquement, près de la pierre. Hein. Donc là, ça, je peux prendre aussi. Là. S Small Stone Pillar. S plus Small Stone Pillar. Ah là. Ok, après je peux apprendre ça, je peux apprendre ça, je peux apprendre ça. D'accord. Je pense qu'avec ça, on doit pouvoir se démerder. Donc déjà maintenant j'ai un problème, j'ai pas de pierre. Ah, c'est vraiment sympa ce système de fondation là. Je pensais maintenant vraiment pas que ça serait aussi pratique. Après, c'est vrai que là maintenant, putain, j'aurais dû activer l'autre mode là que j'ai. Qui est vraiment bien sympa. Oula, ok. L'autre mode qui te permet vraiment de... Comment dire? Tu places en fait un pilier. Oh, boum, c'est bon, tu peux construire quoi. Hop. J'ai combien de pierres sur moi? Ouais, on va encore s'en faire un petit peu. Pour être tranquille. Voilà. Allez, hein, mon gros, on remonte. Ah ouais, c'est vraiment bien. Putain, je voyais beaucoup de joueurs qui jouaient avec ce mode, tu vois, mais j'avais jamais vraiment. M'étais jamais vraiment mis, quoi. Alors attends, déjà là, normalement, je peux poser ces fondations. D'accord. Du coup, comment que. Alors, médium. Je sais pas quoi que ça ressemble, hein. Ça se trouve, j'ai fait un truc qui est monstrueux. Ah ouais. J'ai fait un truc qui est géant, quoi. Ok. Alors, le truc où je me suis fait peut-être enculer. Je peux peut-être faire le petit aussi. Il faut que j'aille chercher du bois, en fait. Hop. Donc là, ça, c'est le petit, ça. D'accord. Du coup, toi. Hop, 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 hop. Virer ces merdes, là. Pour l'instant, ça, je m'en bats littéralement les rouleaux, tu vois. Voilà. On va aller chercher un peu de bois. Hop, hop là. Alors c'est pour ça que je me suis dit, parce que c'est vrai que je regardais beaucoup Snaku, enfin je regarde tous les soirs Master Snaku qui joue sur Arc en ce moment. Et je dois vous avouer que bah, lui, eux ils jouent sur Z Center hein, tout simplement. Et je me suis dit, avant de crever con, essaye d'y jouer encore une fois, de peut-être explorer la map un peu plus et davantage. Pour tout simple, ah merde, je suis plein. Pour tout simplement avoir un petit peu de, pour voir un petit peu de nouvelles choses. Peut-être que voilà, t'as loupé des trucs, etc., etc. Merde, il vaut le plus qu'on d'aigle. Pose-toi. Il vaut le plus l'aigle, c'est pas grave. Solution alternative. On va rapprocher le Quetzal. Et ouais, donc je disais, je le regardais beaucoup jouer, c'est vrai que je voyais, ils ont construit, je crois, sur cette île, si je ne m'abuse. Et cette île me plaît bien aussi pour le solo, tu vois. Alors je me suis dit, hop là, faut quand même que tu essayes, hein, il n'y a pas à tortiller du cul chez des hannetons, faut quand même que tu essayes, voilà. Chose que j'ai fait, et je dois t'avouer que je suis bien content. Pour l'instant, ça me plaît un peu. Ça me plaît à peu près pour le moment. Hop,
Je vais lui dégager la pierre. Voilà. Hop. Par contre, moi, redonne-moi le bois. Hop. Hop. On remonte, Jean-Michel. Alors, ça sera peut-être une solution pour que je joue dessus, tout simplement, tu vois. Voilà. Hop. Bon. Alors là, techniquement, je ne peux pas. Si je fais des fondations, je vais en faire deux. Techniquement, on est d'accord que je pourrais pas les poser. Il va falloir que je les fasse au. Que je les fasse au toit, quoi. On va essayer. On va avoir 5. Ouais, là, ça va pas aller. À moins que. Attendez voir, regardez, j'ai un mode qui est sympa aussi. Je c'est pareil, hein, je sais pas ce que ça vaut. Je fais des expériences. S fondation stackable. On va prendre celle-là là. Oh, là je. Bah oui, forcément, c'est un toit. C'est-à-dire que si j'ai bien compris, on va en fabriquer deux comme ça. C'est pas grave si on sneak un peu de ressources, hein. C'est des modes que je découvre et que je vous montre en même temps. Genre, si je me mets là. Oh, mais c'est stylé. Oh, c'est stylé de fou. J'ai peut-être juste fait une connerie, je peux plus remonter. Pas grave, on va en refaire deux. Voilà. Oh mais ça c'est bien de ouf ça. Franchement c'est trop stylé. 5. Parce que c'est genre tu vois tu peux venir te raccorder et tout tu vois. Ah non mais franchement c'est. Ah regarde là genre je peux venir. Je peux poser ici ma fondation classique. Y'a là. Viens ici. Mais non, mais viens. Mais connard, viens ici. Putain, il est débile ce truc. Viens là. Hop, nickel. Allez, c'est parti. On va rechercher du bois. Je pense que c'est ce qui me manque. Hein. Ah, de la fibre aussi. Mais de la fibre, t'inquiète. Normalement, j'en ai dans le. J'en ai dans le quetzal. Ainsi que quelques branchages que je peux prendre avec. Bon, allez, c'est parti. On va faire un peu de bois. C'est vrai que c'est des modes franchement qui te simplifient la vie. Sur The Island, c'est vrai que j'en ai pas parce que ben je t'avoue que je fais pas de construction aérienne, disons-le ainsi. Je m'en fous un peu des constructions aériennes. Mais là, si tu veux te construire. Pose-toi. Si tu veux construire un truc vraiment stylé. Ah, par contre, attendez voir, je viens de penser à un truc. Je fais une petite ellipse, je vous reprends. Reprise, les amis. Bon, allez, on remonte. Toi, je vais t'augmenter un peu le poids. Allez, on remonte tranquillement. Ah non, mais j'avoue que c'est carrément trop bien. Bon, après, c'est clair que si j'avais mis l'autre mode, j'aurais pas eu besoin de faire autant de construction, tu vois, parce que ben ça serait mieux passé. Est-ce que là, je peux en mettre deux encore? Là, je peux en foutre une, par exemple. D'accord? Là aussi. Putain, ça c'est bien ça. Donc, si maintenant je crafte deux comme ça. Alors, on va essayer de réfléchir avec notre cerveau. Voilà, logiquement. Non, je. Bah non, forcément, je peux pas. Parce que je me suis fait un peu troller là. Mais techniquement, je peux mettre 4. Voilà. Je peux aller jusqu'où? Tiens, je suis curieux, hein, je regarde moi. Ok, là, il faut une fondation. Hop. Parce que je crois que là je peux pas poser le truc comme ça quoi. Ouais, 4. Là je sais pas si je peux. Essayons voir. Non. Merde. 4. Ouais. Ok. Bah là je fais déjà une belle petite plateforme pour faire une base. Par contre j'ai vu que là je pouvais poser là. Ok.
Et c'est trop stylé quand tu peux poser absolument, absolument partout quoi. Hop. J'ai pas pris par contre. Descends, descends, descends. Est-ce qu'il y a ça? Je crois pas qu'il y a ça. Cherche les escaliers. Si j'en ai vu, je crois des escaliers. Attends, je crois que j'ai. Je crois que j'en ai vu. On va voir, on va voir. Bien dit, je crois. Ça, je sais pas à quoi ça sert, ça. Ah. Je découvre un peu. Attends. Ouh. Ah putain, pour placer ça, ça va être la merde, je crois. Et ça, je peux. Ah, je peux les ramasser en plus, les stacks à bout de fondation. Et si maintenant je mets. Non. Je te pète un petit pilier, genre comme ça. C'est trop, c'est bien foutu. Franchement, le concept est vraiment grave, stylé. Du coup, on va faire des wood ceiling. C'est parti. Ça, pour l'instant, je te mets là-dedans. Il me faut un autre craft aussi. Hop. Descends, descends, on va faire ça. Wood ceiling triangle. Et ça, je sais pas ce que c'est, on va essayer d'en poser un pour voir. Des fondations en triangle. Putain, mais comme c'est violent ça, hein, je prends aussi. Du coup, je voulais les trappes. Est-ce bout de trappe d'or? Il faut trappe en bois. Oh, les couilles. Alors, je vais essayer un truc. Ouais, ok. Hop. Oh putain, j'ai plus assez de bois. C'est pas grave. Ah, oh, c'est franchement, c'est bien. Honnêtement, c'est stylé. De pouvoir faire des constructions comme ça, tu vois, tranquille, au calme. Comme tu veux, en fait, finalement. T'es pas limité dans tes choix. Et ça, je trouve vraiment trop bien, tu vois. Carrément, je trouve ça trop stylé, quoi. Pour l'instant, c'est vrai, je l'ai fait en bois. Parce que, bah, hop. Je suis pas. Je découvre les modes, alors je préfère niquer du bois que de la pierre pour l'instant. Hop. Hop. Pas trop me charger, sinon il vole plus l'autre après. Voilà. Et c'est vrai que je suis content, les. Bon. Hop. Je pense que là, il devrait voler. Hein. Bon, t'es sérieux que tu voles pas, toi? Attends, qu'est-ce que j'ai pas besoin? À la rigueur, la pierre. Drop, voilà, drop un peu de viande aussi. Ouais, drop ces deux trucs là, hop. Ah, c'est bon, il vole. En tout cas, c'est vrai que je suis content parce que j'ai trouvé des bons réglages. J'ai trouvé des bons réglages sur Arc. Vraiment stylé. Alors, excusez-moi, attendez vite. J'ai un coup de téléphone, je reviens. On se reprend les amis, désolé pour cette petite coupure. Bien évidemment, le téléphone qui sonne quand on n'a absolument pas besoin. Non! Rip. J'étais pas en God mode. Oh la putain de ta mère, j'étais pas en God mode. J'étais pas en putain de God Mode, mais alors ça c'est chiant, pourquoi ça marche une fois sur 18 là?
Je peux pas taper un truc là. Je suis où là? Oh mais la vie noire, mais je suis à 15 bornes. C'est quoi? Moi je veux faire un test. Ok, je suis en god mode. Bah écoute. Dégage toi, tu vas pas me faire chier 3 semaines. Ce que je vais faire. Voilà, c'est bon, t'es content, le tricer de mes couilles là? C'est bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une ellipse, je vais retourner envers la base, hein. Et puis, je vous retrouve dans un instant, les amis, hein. Bon, bah, à toutes. On se retrouve, les amis. Ça y est, j'ai réussi à revenir. J'ai quand même mis presque une demi-heure. Ah non, j'ai mis un lit, donc au moins je suis tranquille. Bon. Ok, là, on est bon. On est pas mal dans ce que je voulais faire. Donc, pour l'instant, on va aller voir dans les engrammes. Hop. Ça, j'ai vu qu'il y avait. Faut juste que je le trouve. Les échelles repliables, je veux en fait. Échelles repliables, où êtes-vous? Maintenant, si je crève, je m'en fous. J'ai mon lit, donc à la rigueur, on s'en bat les rouleaux, tu vois. Adobe, non. Ça, c'est pas celle que je veux. Oh non, c'est ok. Merde. Hop. Redescendons. Faut que je regarde sûrement dans le. Dans le bois, ça doit être. Merde, il n'y a pas en S? Bon, sinon, attends, on va pas se faire chier. Putain, comment ça s'appelle ce truc? Comment ça s'appelle? Ladder. Ah, c'est ça. Échelle rétractable. Ok. Voilà. Nickel. Donc, il va me manquer quoi? Mais je peux en fabriquer qu'une. Ah, de la fibre. Putain, ouais, c'est vrai, il faut beaucoup de fibre pour fabriquer ça. Donc là, normalement, si je ne m'abuse. La fibre, j'en ai même pas sur lui. Bon, c'est pas grave. Je vais sécuriser la peau. Alors, que je réfléchisse. Comment que je vais voir la base? Je pense qu'avec un petit agrandissement, là, on peut. Faut une fondation, hein. On va pas le mettre en dessous. Attends voir. Attends voir, Jean-Maurice. Pilier en bois. Voilà. Non, mais je te veux en dessous, moi. Je te veux pas au-dessus. Je m'en bats les couilles que tu sois au-dessus. Bon. Ce qu'on va faire, écoutez, on va ramasser. Ça, c'est cool de pouvoir ramasser, de ne pas forcément avoir à détruire. On va se crafter ça, on va en faire 4. Jusque là, on sera pas mal. Ensuite, des murs normaux, ils sont là. On en fait 5. Hop. Les murs, je vais les mettre en 6. Ce que j'ai pas besoin, je vais stacker dans l'aigle pour le moment. Alors, parce que là, je suis à 3 de large. Hein. Non, c'est pas ça. 8. Ok. Ah putain, ouais, mais ça va me faire chier parce que là, il va absolument falloir des fondations.
Attends, hop, descends gentiment. Ok, alors attendez, j'ai... Oh putain, j'ai une idée. On va aller doucement au début. Hop, j'ai plus de bois ou j'ai plus de quoi? De bois. Pas grave, il y en a dans l'aigle. Hop. Hop. Ça c'est pratique parce que au moins tu vois je peux faire un truc à la Wall Again, ramasser ce qui sert à rien finalement. Voilà. Donc là il y a une fondation. Attends, est-ce que ça va me le prendre en compte ou pas? Ça je sais pas finalement. Oh, putain, ça me l'a pas pris quoi. T'es sérieux toi? Oh c'est un peu... Non, ce qu'on va faire, c'est des piliers classiques. Hein. Ça, j'ai énormément aussi. Ça, c'est du S. Hein. Ouais. M-gram. Un pilier normal. Pilier en bois, j'ai. C'est bon. Pilier en bois. Hop. On va fabriquer un normal. Parce que lui, en fait, ce qu'il y a de bien, c'est que je sais qu'il va se poser où j'ai besoin, quoi. 4. Enfin, normalement. Il y a un obstacle. Ah! Attends. Ok. Alors, 4. Oh, ça a un petit peu déraillé. Ok. Comment que je vais me démerder? Remonte là. Faut du bois encore, je pense. Ouais. Le problème, c'est qu'il veut toujours me le poser en haut, ce connard là. Putain, moi, c'est pas en haut que j'en ai besoin, c'est en bas, Maurice. Parce que ça fait moche comme ça. Non, je veux pas un large, moi je veux un... comme ça. Ok, il me les place un peu. Hein. Là, je sais. Non, non, ça va pas le faire. J'avais déjà fait le test. Non, va par là. Oh là là, ça va être relou. Par contre, c'est le temps de bien comprendre le. Parce que je pense qu'il voudra toujours pas me le mettre. Nécessite une fondation en proximité. Sinon, j'ai la solution, c'est d'activer le mode que je vous ai dit. Et je pense que c'est ce que je vais faire. De toute façon, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là. Je vais arrêter, je vais réactiver le mode que je vous ai parlé. Et je vais vous montrer ça dans la prochaine vidéo. Comme ça, vous allez voir, on va se faire 10 fois moins chier. Bah écoutez, les amis, j'espère que cette vidéo sur The Center vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. On se retrouve très bientôt pour la suite. C'est LSA. Ciao, ciao tout le monde. Don't stop, don't stop, don't stop talking to me. Stop.